connaît situation difficile, mais nous là, pour une bonne émission ça pour vous-même. Moi, papral à souhait, contrairement à hier, je dis à papral d'une depuis bon, mais où t'es ouais machine, où t'es ouais motocyclette. Qui différent de hier ou pas trouver ça au même même. OK? Nous pas trouver ça au même même, mais je dis à nous là. Mais celle ça me doit dire nous si veut bouganter la parole. Tout ça qu'a dit dans bouganter la parole pour être très très au sérieux. Bouganter la parole Radio Omega. C'est pas un monde qui jouette là-dedans. Eh, émission fait non là. C'est boucanter la parole. Dit soir. Dans les ça en pile monde gen l'autre. Boucanter la parole. Yo t'es capable de faire pour porter émission ça. Alors t'es qui doit l'autre activité et gen nan moun nan boucanter la parole qui gen famille yo en Haïti. Yo t'es qui doit parler avec famille yo, yo t'es qui doit enjoy yo avec famille yo. Mais nous font choix, nous prenons responsabilité nous pour nous là avec vous chaque soir. Pour une petite émission ça pour même et mandé nous pour une civé émission pour canter la parole c'est émission ça qui gain qui assoir nous va le faire une temps avec vous première partie a moi imagine Jean-Baptiste pour le faire là avec vous et puis deuxième partie a nous va essayer garder contexte nous là dans là avec un gros journaliste un ancien secrétaire de rédaction il y en a quotidien qui pi ancien là en dans pays a on a parlé de Le Moine Bonneau gien pile monde qui dit au remet franc parler Le Moine Bonneau les l'a parlé c'est Le Moine Bonneau c'est ça c'est Bonneau il remet les l'a parlé ils vont franc parler il dit vérité encore pas de l'autre façon. Le Moine Bonneau, c'est nèg nan nord. Soti nan commune Plaisance di nord. Le Moine perdit une élection Plaisance, c'est parce qu'il pa kwè nan bataille. Le Moine perdit une élection, lè ba la gen tiré, il courit quitter Plaisance. Il quitter Plaisance en kon di moun an bout de pantalon. Et bonne ki kwè nan goumen comme si li kwè nan la parole li, mais li ba la dépassé, Le Moine Bonneau pa là-dedans. Nous pral gen pou nou parler avec li aswea nan émission pou kante la parole. En attendant, il y a une proposition à terre. Il y a une proposition de Maurice Jean-Charles avec Guy Philippe. Radio Omega. Pourquoi parler sur ça? Pour que ça nous la parole hier soir. Parce que monsieur te dit, il prend parler national, il a installé CP Paroa, conseil des trois membres dans Gino Jean-Baptiste. Mais nous pourrons parler hier soir de huit mouns qui choisissent. Huit mouns qui choisissent. Et 8 mouns sa yo, c'est yo doué formé et conseil présidentiel là qui t'a doué publié incessamment et moi quoi selon toute information qui vient joindre moi conseil CPA t'a doué publié ensemble avec tout premier ministre là il t'a doué sorti dans journal officiel pays a ak non tout premier moun k'ap gen pou premier ministre là. Ça veut dire l'international là pa bay a tè autant pour al fond débat, al tergiverser, perdre un bon lot temps encore pendant pays a nan crise. Eh ben yo ka tout nommé premier ministre et ap gen pou nommé a. N'a pas parlé tout sous enlèvement Lucien Girard ancien DI moins dans Signal FM lorsque moi était correspondant Signal FM au Cap Haïtien licencié porte-parole lycée Michel Matéli lycée après passage les con livre sous ça et puis Lucien Girard tous ancien candidat pour poste député dans circonscription AKR nous connaît qui kidnappé la Kaili et grand pile va relever pour demander libération et élargissement souvelé Lucien Girard. Mais un gros dossier qui est important pour nous parler sous lui, n'a pas fleuri la soirée dans boucante la parole. Son question 22 millions de dollars gaz ont entité, ont compagnie acheté pour EDH et c'est ministère finance qui payait
c'est ministère finance qui payait, c'est ministère finance qui payait pour EDH. À date n'a parlé là, l'argent ça, l'argent remet gaz là pour que j'aime livrer. Avant moi venir là dans boucanter la parole, moi fais un appel pour me confirmer est-ce que gaz ça les mêmes les livrer. 22 millions de dollars. 22 millions de dollars. Gon film qui achete gaz ça et mettre film ça ou bien yon nan moun yo son un inspecteur police qui est lié. N'a travaille sous dossier pour nous venir avec plus de détails pour nous connaître côté l'argent 22 millions ça lui-même li passé. Mais à ce soir, nous pourrons parler avec vous sous 8 personnalités qui doivent aller dans CPA. Qui est-ce qui est côté au sorti, qui originio, qui s'est appris dans le pays, mais grand pile monde qui vraiment inquiet Junior Jean-Baptiste, je pense par rapport à tant de cela, Yoel Avalas gagne tout pouvoir dans même. Oui, et grand pile monde qui essaie Yoel comme ça, Valestin. Et grand pile monde qui déjà essaie Yoel comme ça. Lorsque ou Joss jeté un regard sur mon yo sous cheminement politique yo, cheminement professionnel yo, et ou capable dit à première vue c'est un conseil présidentiel qui penchait Lavalas, qui penchait à gauche. Mais sauf que faut qu'on connaît que courant Lavalas, Lavalistin qui tapera une sorte de mouvance politique de grande ampleur en 90, pas oublier que nous faisons dans la dictature, tu as un désir de renouveau dans le pays, tu as un désir de changement. Et à l'époque, Jean-Bertrand Aristide, comme prêtre, comme théologien de la libération, qui t'a pouté une parole essentielle, à savoir justice, transparence, partage de richesses. Radio Omega. C'était presque naturel pour que le Tabral rassemble un ensemble de monde, un maximum de monde dans la pays. Gon blague tout ben en Haïti sur ça. Yo tout dire que majorité leader politique yo tout presque commencé dans la Valas. Tellement à l'époque 90 ça que Aristide et son équipe t'ai incarné là, yo t'ai vraiment charrié en pile monde de différentes tendances, de différents corps sociaux qui t'ai à l'époque, même si l'histoire va le montrer que et Aristide pour al galvauder occasion ça, mais yo t'ai juste pensé que yo t'ai juste quoi que avec ça ici t'es porté comme idée, comme projet, il était capable vraiment de changer pays à page. Mais dommage, c'est de l'histoire et nous n'avons qu'à changer l'histoire. Et Titit, j'ai entendu dire à l'époque, pas arrivé et comprendre ou bien cerner suffisamment bien les grands enjeux de l'heure pour les capables, pour être capable notamment réconcilier nation, hein? Parce que il y a un monde qui toujours dit que lorsqu'un pays sorti dans la dictature 29 ans du duvalierisme et où t'as besoin d'un monde qui plus mature, il y a un monde qui plus gain hauteur de vue, il y a un monde qui plus capable fait dépassement de clan pour que on est capable d'installer de nouvelles pratiques politiques, de nouvelles pratiques de faire et vraiment décoller nation. Cette occasion-là, Jean-Baptiste Aristide l'a raté. Sauf que tout le monde est d'accord, c'est une vérité historique. Maximum, y a une grande majorité de monde qui je dis à cet acteur politique dans le pays, y a tout est commencé quelque part et quelque part ça c'est la Valas. Vous cantez la parole. Par exemple. Si mémoire me bonne, m'a songé par exemple 2017, le ça Willow Joseph pour le fait élu. En fait, Willow Joseph était
qui est élu dans le coup président Moïse dans l'élection comme sénateur plateau central. Et puis il a parlé dans la radio. Et puis il a dit oui le constat que comment il va le comporter dans le Parlement, est-ce que l'Ipral dans la majorité pro-Jovenel Moïse là, ou bien est-ce que l'Ipral font groupe l'Ipral dans l'opposition? Est-ce que l'Ipral est-ce que l'Ipral dans la ligne la valas? Oui, le Joseph te dit, m'amblé répond ça, moi-même, monsieur Lavalas. M'ka élu comme sénateur sous bannière PHTK, même c'est Lavalas. Ou ka pren un échantillon rapidement là de 20 acteurs politiques dans le pays, ou après tout 20 acteurs ça, yo, t'es commencé quelque part dans Lavalas 90. Cela dit, c'est presque naturel pour que, ou jouen jodi a en 2024, un ensemble d'acteurs qui constituent le conseil présidentiel là, et moun sa yo, yo cheminement le gade, ou est-ce que yo soti nan mouvance Lavalas là? Est-ce que ça vle dit que moun sa yo jodi a yo attaché, yo toujours attaché à Lavalas? Est-ce que ça vle dit que moun sa yo jounen jodi a yo toujours kwe nan tipe a? Est-ce que ça vle dit que jodi a les tipe a pale, moun sa yo ap tande tipe a? Est-ce que ça vle dit que moun sa yo en 2024, yo toujours quelque type a capable porter solution, m'ba quoi ça? Au contraire, ou gen information même j'ai avec moi que plusieurs figures là qui dans conseil présidentiel là pas gen relation avec Jean-Bertrand Aristide encore. Vous avez la parole. Yo gon passé de Lavalas comme un pile acteur politique, gen passé de Lavalas en un pays. Alors, ou t'a ou faire aller pour Lavalas. Mais majorité moun ki sou scène politique là Gino Jean-Baptiste gon côté ou te rencontré déjà gon côté ou te rencontré ou ka vin ou ka divisé mais gon côté ou te rencontré. OK, gen des jeunes bisater là qui émergé, gen des moun Lavalas qui émergé qui vin gen propre parti politique yo. Et ou rappelons ti histoire entre Gérald Gilles avec Marise Narcisse, Maurice Jean-Charles dans une période campagne électorale côté gon partisan petite de Saline qui passait Gérald Gilles en photo Maurice Jean-Charles la fait éloge la vanne Marise Narcisse. Moi veux dire nous chaque qui là alors tout monde qui a fait politique sur scène là yo té gon côté té kon milité avant ça. Yo te kon milité avant ça. Paul Leni qui mouri récemment, avant li mouri, li te candidat en bas au PL. Pour regarder comment sauver Pierre Etienne crampé Paul Leni, mais par la suite après échec li nan élection 2006, son ami de vieille date René Préval pral mete l ministre justice. Et qui ça gagne? Grand pile moun qui expliquait Gino Jean-Baptiste, gen des postes où joine en dans pays a, en Haïti surtout, en pile moun met nan tête yo, côté te kon a milité a pa ta faire un cadeau ça. Ou ka prend le cas de Evans Paul, l'élivé qui relé l'élivé PM à 59 ou bien 60 ans, li relé madame Matéli, mon médecin. Parce que dit premier frère un docteur solide comme ça, Evans Paul. Mais parce que il pensait fin périnette. Il fait une périnette comme si à la brita avec petite capé à la brita avec petite magistrat pour nous là. Et puis Michel Matéli relil li metil comme PM et depuis le ça capé comme si gon reconnaissance envers madame Sophia Saint-Rémy hein et Michel Matéli nous lui même relé dame nan médecin. Oui. Alors que Michel Matéli vend madame li comme monde qui dédé camper n'importe quel balio comme si c'est lui qu'on a géré tout portail yo. Gen moun ki a l'opinion qui même dit c'est le discours le plus plat que pa jam moi pour un monde qui a installé comme PM parce que tellement nan discours ça va l'estin faut rappeler ça capé était insensé pour madame nan mais faut comprendre là dit que par capé avec son passé de militant politique son passé d'ex-maire de Port-au-Prince lorsque Michel Matéli va choisir comme PM c'est pour un très beau couronnement de carrière politique li donc on pas ca empêcher le content on pas ca empêcher le aux anges à l'époque on te comprendre comme ça on te comprendre que le fait que capé aux anges le fait que capé très ému c'est parce que son bail qui normal dans yeux pas parce que comme acteur politique l'arrivé là dans ça et que Michel Matéli va le permettre lui couronner carrière à un titre de premier ministre qui pas
négligeable dans quel que soit pays dans le monde là. Oui, alors c'est alors son façon pour dire nous son façon pour dire nous et Mounio est toujours bon côté il est sorti. Mais qui est Mounio et Junior Jean-Baptiste? Qui est Mounio et qui est formé CPA? Peut-être que nous peut-être. Oui, on allez. Et aider et compromis historique Marie-Gislaine mon premier. Mm-hmm. Est-ce qu'on dame ça? Marie-Gislaine mon premier va mon qui va connaître dans le pays là. Sauf Junior Jean-Baptiste peut-être. Mais pas un monde qui va reconnaître Marie-Gislaine mon premier en dans pays là. Elle est infirmière. Lycée avocat militant au barreau du Cap Haïtien et lycée avocat militant. Lycée avocat dans le barreau Cap Haïtien, lycée infirmière. Et Marie-Gislaine, mon premier sorti dans la première section communale, Camp Louise, qui fait partie, qui est commune à Kiljino. Donc, moi-même, à Marie-Gislaine, mon premier, nous sommes voisins avec voisines. Et moi-même, sorti la plaine du Nord, Marie-Gislaine, mon premier sorti à Kiljino. Et il composait circonscription, il composait arrondissement qui est là-dedans, à Kiel du Nord, Plaine du Nord, Milo. Marie-Gislaine, mon premier, c'est ancienne coordonnatrice ou bien directrice ministère conditions féminines et droits de la femme dans le nord, dans le département de nos pays. Marie-Gislaine, mon premier, Lili, c'est ancien ministre conditions féminines sous Jovenel Moïse. Marie-Gislaine, mon premier, nous connaissons le Tékébé pour un petit temps. Ministère et Affaires sociales. Ok? C'est Marie-Gislaine, mon premier. Et c'est ancien candidat pour poste sénateur en babanier Fision. Et moi, c'est ancien coordonnatrice tout Fision dans le département de nos pays. C'est ancien cavalier Paul Kassouvelé, Edmond Siplis Bozil. Et lorsqu'il t'a le ministre, moi, mesdames, ça va d'abord le diviser. Et les fusions pas de fin d'accord. Edmond est rentré. Marie-Gislaine, mon premier, est rentré dans le pouvoir Jovenel Moïse là. Donc, c'est Moun Nano, son femme qui jam. Son femme qui jam. En pile Moun Nano, qui en pile respect. Radio pour Marie-Gislaine, mon premier. J'en dis là, qui c'est, on, nous bon parcouli. Et ministre, condition féminine. Sous Jovenel Moïse et Tabal Kimbe, tête ministère, affaires sociales, tout sous la parole. Jovenel Moïse, l'issotie comme coordonnatrice bureau et condition féminine dans le Nord, lycée avocat, lycée infirmière, lycée président Fusion dans le Nord, son femme politique. Ok? Son femme politique et qui sortit dans la commune. Très politique, qui baille mes garçons, nous connecter sénateur dans nos qui mourit, qui baille Kelly Clédo Obassien, qui nous souhaitait un vraiment propre établissement, nous connaît récemment, t'es fait si malade, mais son Kelly Bassien qui a préponné. L'autre monde qui est encore? Après fusion, c'est qui l'autre côté, structure politique que dame non, madame mourit, passe la donne. Après fusion. Pas gagné l'autre structure politique, et peut-être l'été 15 000 dans Jovenel Moïse, yo konn capacité li yo konn pa couli parce que Adouin Zéphirin li fait fusion avec Gislaine mon premier. Adouin Zéphirin était candidat en 2006 et pour magistrat Cap Haïtien babanier fusion et O'Donnell Maxime nous connaît qui mouri dans condition de mourir et sous route frère là c'est souvelé allié politique Marie Gislaine mon premier mais à mon avis me pas rappeler après fusion est-ce que Marie Gislaine mon premier défait notre politique Junior Jean-Baptiste. OK. Collectif 30 janvier Edgar Leblanc fils. Collectif 30 janvier Edgar Leblanc fils ingénieur de profession c'est ça j'ai besoin. C'est ingénieur lié. C'est yo, well, tant qu'on monde de bon commerce. Société a peut-être gagné pile appréciation pour Edgar Leblanc fils. Ils sont anciens sénateurs. Et moi, quoi, tous anciens présidents sénat. Mais dans la période-là, qui était, non, petit département. Non, petit département, mais qui t'a géré, souvelé, et NIP, et grandance, et à la fois. Donc, ça veut dire, Edgar Leblanc, c'est nèg nan NIP, et nèg nan grandance. Mais il y a des gens qui reprochent le dit chichampil, mais c'est Mandien qui dit moun chich, Junior Jean-Baptiste. Et il y a des gens qui présentent nous comme, bah, en fait, il y a des gens qui sont dans le Parlement comme journaliste accrédité. Nous avons des gens qui ont répété dans le Parlement que Edgar Leblanc fils,
ça me qu'on a dit devant employeur son monde qui réputé comme un monde intègre comme un parlementaire qui était en bas qui était intègre intègre on connaît mon dit ça mais intègre là dans contexte là 20 000 gouttes pas le dire rien mais je dis à longtemps 20 000 gouttes sur un paquet de l'argent mais je dis à 20 000 gouttes comme si on chute à nos restaurants dépenser ça donc ça veut dire et même sauver Pierre Etienne dit pour parler d'intègre faut au moins t'as contrôlé 100 000 dollars américains devant ou ouais là j'ai contrôlé devant ou pour qu'on quitte la parole sauver Pierre Etienne c'est un coordonnateur OPL mais qui va jamais quitter OPL m'a parlé d'Edgar Leblanc qui va jamais quitter OPL mais avant ça Edgar Leblanc était dans OPL organisation peuple Lavalas je crois on connaît ça le devlet qui t'a pral vinn et OP qui t'a pral vinn diviser organisation politique Lavalas organisation politique Lavalas qui t'a pral vinn diviser t'a pral vinn organisation peuple en lutte que Gérard Pierre Charles le fait Gérard Pierre Charles t'a dirigé lui-même et Galé Blanc-Fils récemment est candidat en face Jocelyn Briver dans parlement OPL pas arrivé voter les élus de l'OPL les parlementaires de l'OPL ils pas voté à l'époque les candidats en face privé oui. Et groupe parlementaire bouclier PHTKO t'a supporté en face privé privé les mettait un ensemble de groupes la Valas etc vérité qui te font sorte de alliance pour te supporter privé comme président dans élection au second degré les mêmes Edgar Leblanc fils était un support PHTK et bouclier. Alors bouclier qui t'a supporté PH et Edgar Leblanc c'est pas parce que yo t'es comment on dit ça comme si tu étais porté bourré dans de Edgar Leblanc non c'est bon majorité mon bouclier yo c'est membre OPL profane qui était président bouclier dans période là c'est membre OPL c'est membre OPL c'est Timon Paul Denis c'est Timon Edgar Leblanc fils. Quand pile nek PHT qui a supporté Edgar Leblanc, ce sont des membres OPL. Mais sous dit l'air, sous dit, tout le monde qui a fait politique en DPA a un côté croisé. Tout à fait. Majorité de monde qui a fait politique en DPA a un côté croisé. Donc il va arriver passer, mais qui toujours qui a ligne, mais en pile fois, il y a qui dit qu'il utilise Paul, non bon dossier, comme si il jouait sous comportement li, sous intégrité li, pour mettre dans le bon côté, parce que quoi depuis Paul, c'est Edgar Leblanc la société a une façon après. Gonti blague tout acteur politique, bah, il dit que il était vraiment en vie, j'ai une occasion pour lui. Pour le membre du conseil présidentiel. Ça, c'était une aspiration que nous parlons avec des acteurs de plusieurs groupes qui disent que et c'était une principale aspiration. Edgar Leblanc-Fils fait partie d'un conseil présidentiel qui va aller pour décider sur l'avenir pays. Alors, si ça m'a à respecter, Gino Jumat, c'est bon cadeau fait Edgar Leblanc. Non, du tout. C'est bon cadeau fait Edgar Leblanc. Il est coordonnateur OPL. Du tout. Qui n'a jamais quitté OPL. Il est coordonnateur de l'OPL. Malgré vents et marées, il était coordonnateur OPL. Li pa jam gen l'autre position yo vanni Jean Liéa Radio Omega la fait politique les coordonnateur parti politique la spire pour la parole occuper des fonctions politiques dans pays a il était candidat en face à Jocelyn Briver. Jocelyn Briver est arrivé battre lui dans parlement mais c'est pas ton cadeau et pas un cadeau pour Edgar Leblanc. Moi même ça t'attire de personnage là que me pas connais on forme croisé dans un supermarché pour Port-au-Prince. Et sous Delma, une croisée, et très humble, seul, et n'a pas qu'il n'a, lui sous volant, machine de boucontre lui. Pour moi, cette humilité, et dis-moi, je voulais dire un peu, bah, pour moi qui a gardé politique pays, mais qui a gardé comment des politiciens ont fait extravagance, comment des nègres qui viennent dans l'État en 2 ans, en 3 ans, et la multimillionnaire. Lorsque j'ai rencontré M. Leblanc-Fils sur la cour de ce supermarché-là, il me dit, oh, et ça pour moi, le temps plus bagaille, pour moi, c'est une grande humilité qui veut dire ça. Vous cantez la parole. Je ne sais pas si vous avez des mercenaires qui viennent dans la politique, je ne sais pas si vous avez des respects pour le monde. Vous pensez tout le monde a cherché à manger dans la politique là. Vous pensez tout le monde est riche dans la politique là. Mais Edgar Leblanc, l'OE Edgar Leblanc, il faut gagner respect pour lui. Tout à fait. L'OE, on nomme que le Serge Jean-Louis, il faut gagner respect pour lui. Tout à fait. Ok? Correct. L'OE Serge Jean-Louis, Edgar Leblanc-Fils, il faut gagner respect pour lui. Claire. Ok? Claire. L'OE Edgar Leblanc-Fils, Serge Jean-Louis, nous devons gagner respect pour lui. Claire, c'est de bon ça arrive la politique là, crasé dans nous. Il y a des gens qui font politique là comme ascenseur social. Pour les riches. Nous venons être tout le même gens. Yeah. Nous venons être Edgar Leblanc, Serge Jean-Louis. Et un pilote Ismaël. Un paquet de l'autre.
Il y a des nèg qui fait police tout bon dans pays là. Tout à fait. Ou qui reposer moi Jean-Charles tout son vle, mais certains militants politiques sont monde qui comprennent réalité politique en Haïti. Tout à fait. Et famille Lavalas, Leslie Voltaire, Tichine, son ancien candidat ensemble nous font. Ça Jean-Bertrand Aristide en exil, li baba nèg yo autorisation pour porter au candidat en Babane Lavalas là. Ou bien yote gen pèje rajan jistou mwen kote moui. Parce que vous n'y soit pas ya. Oui. Tichinois. Et comment ça relève? Tichinois. Oteli, Tijel. Robon. Yore le Tichinois. Je crois que c'est ancien ministre de l'éducation nationale. C'est ministre de l'éducation sous Jovenel Mo et sous Lavalas. Vous avez la parole? Il est architecte, oui. Mais c'est un monde qui fait partie des directoires famille. C'est un monde qui fait partie des directoires famille Lavalas et m'pa gen trop donné de Leslie Voltaire m'dou, mais c'est un ancien candidat à la présidence. Le président comme nèg ki loyal à Aristide ki loyal à Lavalas. Il est candidat à la présidence ou nèg sort loyal là, c'est nèg sort loyal à Aristide mais Aristide pas loyal envers eux. Parce qu'en 2000, si Lavalas était, si Aristide en exil côté de dit voter Leslie Voltaire, t'as dit Leslie Voltaire a passé. Oui. Leslie Voltaire a passé, oui. Oui. Donc, comme Lavalas, vous mettez le dehors dans la question élection, ou bien Aristide prend engagement pour Lavalas, pas jamais participer à l'élection, même si Lavalas sous terrain politique là, et pas un DCI la brigle. Donc, en pile leg, je dis à, vous croyez avec Lavalas, vous avez un avenir. À Comontana, c'est Fritz Alphonse Jean. Fritz Alphonse Jean, il est ancien gouverneur de Banque Centrale. C'est avec Fritz Alphonse Jean, Cap-Haïtien pour aller gagner. Et. Est-ce que nous avons un annexe? Est-ce que nous avons un annexe? Oui, annexe. Bon, bien. BRH pour le représenter dans l'Union. Je crois que c'est l'inauguré dans l'année 2000. Fritz Alphonse Jean, tu es candidat. Alors, tu es gouverneur de Banque Centrale. Même passé option ça faut garder les Junot Jean-Baptiste on commune tant qu'on on chef lié tant qu'on et Artibonite ça n'est les gonaïves là faut que nous doter lui des on sait qui ça la BRH les salab de service nord-ouest l'ab de service quelques communes dans plateau central l'ab de service tout commune toute Artibonite là parce que le nord je dis même si on a accès à BN, si on a déposé chèque là, mais le nom qu'on a desservi plateau central, il desservi nord-est, il desservi nord. Et Fritz Alphonse Jean, il n'est pas passé. Il est de Sainte-Suzanne. Ok, ancien gouverneur de Banque Centrale, il est de Sainte-Suzanne. Il a des bons commerces. Mais il n'est pas arrivé premier ministre et dans la transition, c'est parce que en pile monde est inquiet pour rater pas tourner. Ou changer de tigre mounan, te ba on interview comme ça, et le même dit Andy, Francis de l'Op pose une question, bonjour, on vient poser une question, on a parlé de Andris Richer. Il te dit les rats, y'a retourné Andris Richer. C'est une raison qui fait parlement dans la période là, pas de voter, Fritz Alphonse Jean, puisque il est déjà président, comme on est qui sorti Lavalas, y'a pas de voter Fritz Alphonse Jean. Et comme premier ministre, et puis, ou braloué, c'est Nex Jean-Charles qui t'a le passé comme premier ministre PIA. Tout à fait. Et, accord 21 décembre, il est représenté par l'ancien sénateur Louis-Gérald Gilles. Louis-Gérald Gilles, Lens Clonès, Prince Pierre Sanson, Danny Toussaint, SM de Léo, les quatre mousquetaires. SM de Léo comme ça, mais Lens Clonès, Louis-Gérald Gilles, Danny Toussaint, Prince Pierre Sanson. Négla va la saio, pas négocier Aristide. Dans période étudiant prend balle, dans période étudiant prend bâton, dans période Pierre-Marie Pacquio, Pierre l'a cassé, de même marquisé, comment il est même? Printemps Belizère, comme Mounio dit qui cassé Pierre-Marie Pacquio. Parce que histoire là, c'est pas nous qui avons inventé yo. Histoire là, c'est pas nous qui inventé yo. Mais, Louis-Gérald Gilles pour aller décider quitter Lavalas pour créer propre parti politique li. C'est leur soutenant élection en 2015-2016 yo. Bon ancien Lavalas qui était candidat pour poste président qui pour aller le Louis-Gérald Gilles lui dit bon du bagay. Aristide pas Lavalas aller ken côté. Et lui veut ma boy. Oui. Et nous veut la baye.
Et non, pour garder la parole, lui. Pour garder la l'idée parole. L'idée, après, elle dit. Louis Gérald Gilles, Aristide Pavlier, Lavalas, allez, qu'un côté, souhaiter dans Lavalas, on va vraiment rien, qu'on veut en faire. Et c'est là ça, Louis Gérald Gilles, pour le comprendre, réalité, elle va créer pour parti politique, parle. Est-ce que Louis Gérald Gilles, pour le voter avec Lavalas, m'pas qu'on est. Mais Louis Gérald Gilles, t'es sénateur, grand danse, et m'croit en 2000, combien, NDDH, t'as parlé qu'on rapport sous lui, laisse t'as pas obligé by Canet, dans l'élection qui. Je crois que c'est l'élection 2009 et à NDDH a parlé qu'on rapport sur Louis Gérald Gilles, il t'a pas le bon cadet. Vous gardez la parole. C'est arrivé, Laurent Cessier. Laurent Cessier, ça me compte sur lui, de lui, c'est un entrepreneur. C'est un monde qui gagne action dans plusieurs entreprises dans le pays. C'est un monde tout que vous présentez comme proche de Olivier Barrault, de la AIC, de la BUH. C'est un monde tout que vous présentez comme proche de. Monsieur Edouard Bossan de la Unibank et Laurent Cessier par l'entremise de connaissance, parle avec lui plusieurs fois au téléphone et toujours prend plaisir de m'entendre lui, notamment lorsque j'étais dans la CTA, de ça que j'ai fait, de l'initiative que je veux créer, même si je ne suis pas initiative ça on a, même si je ne suis pas ça je veux faire dans la CTA vraiment vrai. Et après ça, lui, maintenant, il est choisi par différents groupes groupes dans le secteur privé pas plus tard que semaine dernière et tu fais parler avec lui vous quand la parole demandé monsieur Cécile il a vu que grand pile contradiction des grand pile difficulté pour secteur privé arriver à entendre ce choix là Radio Omega il te dit Juno bon dieu bagaille nous connons qu'on parle avec plusieurs monde dans le secteur privé et qui te répond nous pas de quelle difficulté pour te choisir comme représentant secteur privé. Au contraire, si tu le veux, m'a beau des contacts, plusieurs contacts, 3 à 4 contacts monde, ou capable de relayer, parler avec eux, comme si je n'avais pas besoin de comprendre en profondeur, parler avec eux, parce que l'important pour comprendre comment on choisit, vous gardez la parole. Mandé, est-ce que tu as une difficulté pour choisir? C'est un été venu presque naturel parce que moi-même, je suis avec de bon commerce qui parlait avec presque tout le monde dans le secteur privé. Hein. Donc, si nous faisons confiance, si nous faisons froid à ça, monsieur Laurent Saint-Cyr, dernière, choix, désignation, en d'un conseil présidentiel, là, pas de bagaille qui est difficile, c'est un bagaille qui vient presque naturellement. Il était désigné pour le accepter. Et acheter ça qui finalement pas utile ni servi à rien du tout sinon que t'es gon bel budget pour te dépenser pendant 13 mois et Ariel Henry t'a joué avec PIA pas vraiment ouais ça acheter a été utile donc okay. Je dis à Laurent Saint-Cyr c'est représentant secteur privé en dans le conseil présidentiel là il y a un peu monde qui voulait faire comprendre que secteur privé va le mettre moyen pour mettre des ressources pour que la parole capable vienne président conseil présidentiel là nous beaucoup là mais nous connaissons que c'est lui-même qui est représentant et c'est un privé dans CPA. OK, c'est lui qui représente CPA mais ouais tant qu'on est qui ba coup de bas pour la parole Baman et qui pas la reprocher parce que dans tout voyage officiel Ariel Henry fait Laurent Saint-Cyr toujours présent et estimé secteur privé a metté Ariel dans campé le côté de campé là et nous tendez mal dans Maniga dit tout c'est dans bouche mon dans débat la même avec tout le monde a dit gagne Laurent ben un peu le coup de bas mais qu'on grande bagarre m'entendez député Jean-Robert Bossé hier une composition qui correct Jean-Robert Bossé composition correct et il y a des questionnements et des explications pour Laurent Saint-Cybaï. Ou un secteur privé, je dis, qui pas aider société à nan rien. Ou un secteur privé, je dis, qui est pays en otage. Vous gardez la parole. Ou un secteur privé, je dis, qui gagne contrôle pays dans toute activité. Radio Omega. Et encore, ils sont intéressés. Ils ont une économie en main, Jean-Georges Baptiste, mais ils sont intéressés à la politique pays. Ils sont intéressés à la politique pays. À qui fait ne pas qu'on est. Jean-Robert Bossé a une position sur secteur privé. Moïse Jean-Charles a une position.
deux entités ça aujourd'hui Jean-Baptiste, ils ont droit pour travailler ensemble. Côté l'État a créé conditions sécurité pour monde venir rester pour faciliter secteur privé à créer job. Mais je dis à nèg yo vle accaparer ou quand il a parole système nan net. Yo vle accaparer tout système nan. Peut-être nan gitan fon on l'autre émission sous ça. Nèg yo tout côté. Me rappeler me gondi qui s'cap nommé là ou nèg yo paraît tout griffio yo là yo présent. Y a chercher contrôle là. Et Haïti, haïtien pa courir pour nèg ça yo. Haïtien pa dou courir pour nèg ça yo. Nous comprenons tant de cela. Au parlement yo toujours essayer gain contrôle parlementaire yo. Mais jodi a dans CPA, y a cherché tout. Mais quoi un bon monde politique nèg yo gain des petits combats à mener parce que nous changer ça ta passé Jerry Tadier dans niveau parlement comment nèg politique bois Jerry Tadier c'est un petit bien formé Gino Jean-Baptiste Jerry Tadier mais politique là il vivent en bas politique là brel ils font bon temps après fait petit gaste la dirigeant commission crélé avec des là pour amender constitution qui pas abouti avec un Gino Jean-Baptiste nous parler de six monde là mais il y a deux observateurs Gayon konnen gayon pa konnen. Deux observateurs c'est monsieur René Jean Jumeau. René Jean Jumeau c'est vous quand la parole. On pas parler de politique même là il est secteur privé, c'est millionnaire, c'est qui n'est pas moi présenter et Laurent Cessi a dit qu'il est bon en mon nom. Non, il pense ça n'est pas. Non, CPA. Et que ça ne planifie vous faire. OK, pas de problème. René Jean Jumeau c'est nèg qui t'a géré énergie sous la motte là. Hein? Oui. Et il t'a géré énergie sous la motte là. Moi ça me suis résolu ça que j'ai révoqué le par un poste sous dans BlackBerry à l'époque BlackBerry a oui mais il était dans période là de dire ben digital est en courant oui il éclairé autoroute Delma autoroute ou bien route Delma ou Delma pas autoroute pas grand autoroute en Haïti il éclairé lui il dit lampadaire c'est business là la mode qui t'a vendre lampadaire ça il y a un cas grave de corruption confirmer ça dit oui monsieur a dit sur consommation locale bonne. Allez, c'est facile. Vous cantez la parole. C'est ça. Et puis André et moi, et on est qu'on connaît. Radio Omega. C'est diaspora. Par contre, qui entité dans diaspora? Peut-être Gauthier Berna, qui a fait un petit avec nous là pour dire si qu'on est un citoyen ça. Mais c'est Mounsayo. Mais je dis, on a cherché pour là. Il y a un Mounsayo dans deux observateurs qui ont droit de vote. Parce que le conseil a 26 membres, il faut qu'à départager. Mais nous faisons exercice ça, Gino Jean-Baptiste, mais ça, on a cherché qu'on est. Qui principale mission CPA? Tout à fait, c'est une question qui est fondamentale aujourd'hui. Parce que de toute façon, vous avez la parole pour installer ce quoi sous nous. Et au-delà de qui ça vous pral fait comme mission, comme fonction, qui va fonctionner à commencer, qui va fonctionner à définir, est-ce que fonctionner c'est pral attribution présidentielle vous cantez la parole émargé en dans constitution 87 là est-ce qu'il va limiter à ça ou bien est-ce qu'il va gagner plus que ça ou bien est-ce qu'il va gagner moins que ça c'est la question qu'on a posée à PIA parce que l'important pour nous comprendre comment attelage ça cet attelage fait de 8 personnalités qui sorti dans différents secteurs d'un pays, qui yo chaque abcharié des groupes d'intérêt, des groupes de pression, que ce soit Montana, que ce soit Lavalas, que ce soit Accord 21 décembre, etc. Yo gen des groupes d'intérêt, des groupes de pression cap poussé yo, qui poussé yo, qui fait de fait, je dis, yo pral siéger dans le conseil présidentiel là. Cela dit, le regard des conseils là, au premier regard, ouais, son bagage qui pral gain en pile difficulté pour fonctionner. Ismaël Valestin, on parle quand même de 8 personnalités avec huit groupes d'intérêt, avec 8 groupes de pression. 8 catégories de monde qui pas forcément ouais bagaille là même gens 8 catégories de monde qui pas forcément gain même aspiration gain même désir 8 catégories de groupe monde qui pas forcément ouais que son transition qui peut durer
18 mois ou bien 24 mois et que rapidement nous devons paver la voie vers des élections justes et équitables et ensuite rétablir d'abord rétablir la sécurité dans le pays et ensuite paver la voie vers des élections justes et équitables. Donc vous pouvez le trouver face à un gros dilemme qui ça mon yo vle qui ça yo vle fait. Mais pas pour gros dilemme, c'est ça. En ce moment-là, pour moi, je dis, un observateur très avisé de événements politiques en Haïti ces dernières années, ces trois dernières décennies. Qui dit mon bagage? Ça dit que, je dis à la Valestin, en 2024, l'important pour nous dire ça dans le micro pour garder la parole. En 2024, reste monde-là, pas porter trop attention à Haïti. Je dis, ou capable constater leur regarder chaîne de télévision et américaine yo Fox CNN ça gagne plus grande audience yo ouais Fox News CNN yo en Haïti là ouais Fox News a insisté par exemple sur échec politique démocrate yo en Haïti ces quatre dernières années. Ça veut dire que a montré que Joe Biden depuis sa prise de fonction li pas jamais rivé aider pays ça sorti de ensemble orage cap ça Cajilio. C'est normal parce que Fox lui-même il a supporté Trump. Radio Omega. Joe Biden lui-même année ça là. Vous cantez la parole. Ensemble de agenda géopolitique, géostratégique cap tenir qui toujours cap tenir que ce soit la guerre en Ukraine, la guerre russe en Ukraine, que ce soit la guerre israélienne à Gaza, que ce soit un ensemble de défis qui toujours permanent dans le Moyen-Orient, en Afrique subsaharienne. Donc, un ensemble de dossiers géopolitiques, géostratégiques qui est beaucoup plus important que le dossier Haïti sous bureau Trump, sous bureau Blinken dans le département d'État américain. Sauf, nous pour nous laguer, pour nous dire, c'est que Biden, comme un qui visait réélu en novembre, Biden connaît pertinemment bien que lui pas qu'a réélu sans qu'il pas répondre à des questions que cadre ça va le poser sur dossier Haïti. Ça dit que dossier Haïti, ça fait que crise la vienne en premier concert, ça fait que crise la vienne davantage compliqué ou gain 3 ans 9 mois sous pouvoir. Ou voilà fonté un candidat qui vraiment redoutable, qui son rondomon dans le créole là, Donald Trump, que tout sondage au bail favori. Là, je suis qualifié Biden de délinquant, hein? Oui. Donc, ça veut dire que, ensemble de questions Haïti, on pourra le venir sous table là pour Biden répondre. Cela dit, je crois que Ismaël, Biden, département d'État américain, Blinken, c'est eux-mêmes qui, principal acteur, c'est eux-mêmes qui a défini ça, qui a défini. Là, vous passez par CARICOM pour faire. Donc, quoi que je dis, là, yo pas pral quitter conseil présidentiel la traîner les pieds ou dans nouvelle Jérusalem dans plusieurs médias américains que bon commandant sud de l'armée américaine qui déclare que c'est Laura Richardson qui dit les militaires nous te dit ça hier soir non seulement on parler de trêve matin m'entend Jacques Sauveur Jean bon peut-être vous gardez la parole toujours ben l'éton m'entend Jacques Sauveur Jean qui parlait de trêve et nous connaissons ça pour arriver mais on garde yo de stratégie pas. Regardez ce qui a passé à Haïti. Quelqu'un dit nous, militaires pas loin rentrer. Et après rentrer, j'aurais demandé messieurs. Vous cantez la parole. Non, mais eux, font fou choix. Vous cantez la parole. Vous après rentrer. Peut-être, je ne vais pas dire avec Gaëtier de quel aime là. Il me dit blé ou rentrer. Non, ce n'est pas ça. Non, c'est non. Mais je vais regarder tout. Débat à fait. Là, mais il y a une stratégie pas. Vous avez regardé, je crois Blinken. Il a rencontré avec Benjamin Netanyahu pour demander un cessez-le-feu et pour créer un couloir pour connaître qui ça a fait dans cette situation qui est là parce que élection États-Unis hein et démocrate qui prend le très au sérieux et on va regarder aujourd'hui hein bon parole l'argent qu'a parlé il dit Donald Trump pour capable prouver comment il a payé l'argent en parlant de plus de 400 millions de dollars. Bon fini. Bon. Cela dit que Joe Biden, Blinken, notre cap géré diplomatie américaine, non, Blinken comprend ça que jodia, il pral fait tout ça possible soit ça passe
ou ça casse. C'est-à-dire que si c'est pays à vie là, les baka bay résultat le plus vite que possible. Les ba bon Biden. Tu peux faire la question ça. Si c'est pays à vie là tout 1 2 3 4 ou les fonctions le définir. C'est à, très bien. Là on dit ça, c'est-à-dire que ça c'est pas Juno qui fait, c'est pas Juno Jean-Baptiste, c'est pas Ismaël Valistin qui fait que je dis la paix de pays. Tant qu'on sort de, province américaine, c'est pas nous-mêmes. Cette question-là, principal monde qui est responsable ça, c'est les acteurs politiques et également les acteurs économiques qui depuis 86, à savoir l'oligarchie économique, l'oligarchie politique, qui kembe pays en otage depuis 86, ils ont pas jamais arrivé à comprendre nécessité. Il n'a pas jamais fait rien pour que retire le pays de la prise américaine. Donc, nous-mêmes, comme journalistes, nous constatons la réalité. De fait, je veux dire que Haïti, c'est une sorte de province, c'est une sorte de laboratoire pour les États-Unis et depuis quelque temps pour CARICOM qui a bonne solution. Même si nous avons toujours exprimé des réserves par rapport à la solution, nous avons toujours fait là, nous critiquer cet attelage-là qui paraît nous. On bagay qui pas cohérent. On bagay qui pas capable kembe à travers le temps. Mais nous disons très bien que les Américains qui sont principal opérateur, principal acteur politique dans tout ça qu'a dessiné là, ils ont tout intérêt à ce que le conseil présidentiel là les réussit à mission qui c'est plus ou moins bail transition, une sorte de couverture ordonnée et faire en sorte que sécurité établie dans le pays, où est au moment de tout le monde qui vient dans le CPA, tout le monde qui vient membre conseil présidentiel là, faut qu'il soit d'accord au préalable à condition ça, qui c'est la venue de la force multinationale de soutien à la sécurité. Parce que les Américains, ils sont clairs là-dessus. Je dis, pour nous, arriver à atteindre, ça a toujours les démocratie procédurale, arriver à faire des élections, arriver à déboucher sous des élus légitimes, entre guillemets, les fondamentales pour que nous gagnions force à mater les gangs qui, par suspens, installer terreur en d'un pays. Même si, nous toujours dit le Valestin, pour les besoins de la cause, et que le pays n'a pas qu'à gêner sur ça, ça n'a pas solution non plus. Force à capable venir, rétablir la sécurité, libérer une sorte de paix. Fragile, débouché sous des élections, nous avons de nouveaux élus. Mais si nous ne pas descendre PIB, cette crise-là, pour nous faire la pédagogie de la crise, de cette crise profonde qui toujours menace Haïti d'époque en époque, d'année en année, après 5 ans, nous avons cas de là parce que, je dis, c'est important pour nous comprendre. En 2024, Valistin, en 2024, tout le monde a dit c'est gang qui j'étais à El Henry. Mais toi et moi, nous sommes en mesure de confirmer que c'est des acteurs politiques, c'est des acteurs économiques qui a piloté en sous-main, qui fait que gang yon levé 29 février 2024, yon dit à El Henry, mais quoi maman, mais quoi papa ou? En pile l'argent qui est investi, gros bouton ton l'argent. Maintenant, ces pratiques politiques-là, comment les éliminer sous 5 ans, sous 10 ans, sous 15 ans? Ce robinet social et économique qui a produit gang, qui a produit banditisme, qui a nourri cette économie criminelle qui fait de 20 âmes, 20 balles, 20 drogues, trafic d'organes, c'est un gros débat. Je ne vais pas dire une transition, je ne vais pas poser des débats. Mais si nous ne posons pas, nous allons calmer pour 5 ans. Mais Haïti pourrait risquer de retourner à ses vieux démons. Avant de rejoindre les moines Bono, qui me dit nous, nous sommes présentés, nous, tout le monde, qui doit former le conseil présidentiel, là, ça n'est les CPA, mais ma parole avec nous, m'a dit nous, que souper incessamment, et pas quoi, bataille là pour le fait autour de qui est-ce qui doit ministre, affaires étrangères,
qui est-ce qui doit ministre agriculture, qui est-ce qui doit ministre éducation nationale, qui est-ce qui doit ministre planification, qui est-ce qui doit ministre intérieur. C'est la bataille là même li pral gonèg. Si information que m'gen yo vous gardez la parole, la parole toujours fait foi à toute information que m'gen parce que n'bagay nous pas la parole, nous pas là pour nous présenter excuse. Vous gardez la parole pas là pour jamais nous présenter excuse. Eh bien les membres de CP li capable publier dans journal officiel pays a parce que m'croi rencontre qui doit faire à soir. Et ce gouvernement démissionnaire là qui doit publier dans le journal officiel PIA l'a tout publié avec nouveau premier ministre là. L'a tout publié avec nouveau premier ministre là moun qui doit gérer PIA. Mso di nou tout à l'heure blanc vini. Ou tenter la parole tant l'aime dit. Monsieur qui gen zam nan mais on mande nous redéfinir stratégie yo. Parce que nous paraît arrogant. Par exemple, je dis à nous kidnapper Lucien Jura. Mais Lucien Jura pas gagné l'argent. On dit qu'il a un petit coup de fait sous Matéli. Mais il perdit l'élection. Lorsqu'il était candidat, on va gagner PHTK à Caen. Donc il a un petit coup. Pour manger un spaghetti, pour manger un dricolé chaque jour. Mais Lucien Jura peut-être qu'il a fait un choix pour être là. Je ne vais pas pouvoir ça pour demander libération, Lucien Jura. Même qu'à juste, pour sagesse de Lucien Jura, je côtoyer dans sa nouvelle Signal FM, dans la période là, je correspondant Signal FM, je crois, de considération très spéciale pour Lucien Jura. Ne ki gen zam nan men yo, groupe ki kidnappe Lucien Jura, et yo kidnappe la avec infraction Gino Jean-Baptiste. Ki sa mrele infraction, son neg yo fouye la kaili, et son neg yo fouye la kaili, yo perd son tout, yo rentre la kaili. Nous pense ça, nous devons garder. Nous selon, comment il est, selon, les passions info plus maître civil doko dieg entre autres les communes Pétionville yo actuellement attaqué par gang crasé barrière d'éviter l'homme innocent selon dernière information yo des policiers certains membres des brigades de vigilance de ces zones tentent de résister à cet assaut donc ça veut dire gagner divivier métivier. Donc, Dieg, qui fait partie des communes Pétionville, Negaxam, qui fait partie des crasés barrières, vite l'homme innocent peut diriger, il a tenté pour prendre zone ça, mais policiers qui habitent dans zone ça, policiers qui disponibles dans commissariat Pétionville, des unités spécialisées, avec brigade du mettre en place, il a essayé de résister pour craser barrière, pas prendre zone ça yo, mais il y a plusieurs tentatives qui fait déjà pour te prendre zone ça yo. Moi voulais dire nous militaire américain pour entrer là d'ailleurs confirmé Laura Richard s'est confirmé lui, il a pas entré. Moi que c'est commandant sud de la mer. Oui, pas un problème. Il a pas entré. Il est rentré, il va seulement venir mettre, il va venir seulement des amis qui gagne zam. Gan pile nèg y a gen pour yo aller avec yo tout Gino Jean-Baptiste devle garder ça yo avec ou dans émission pour garder la parole à soir mais à la seule différence m'a dit nous et jodi a n'a chercher comprendre qui sa mission qui vraiment responsabilité n'a parlé responsabilité qui sa CPA lui-même qui mission lui. C'est Céline APC et travaille sous l'île, nous présente au Mounio, qui sa CPA, CP, conseil présidentiel là, qui mission, qui sa l'gimpe fait dans le pays là. Mais vraiment, nous n'avons pas le temps pour nous perdre. Lundi, nous n'avons pas le temps pour nous perdre. Faut que nous allions dans l'élection pour nous rétablir l'institution politique, Jean-Baptiste. Tout à fait, et les fondamentales, et faut que nous
rétabli institution républicaine yo, faut que nous relancer pays là, faut que nous garder crise existentielle là, même tout dire dans micro boucanté la parole, faut que nous garder crise structurelle là également, parce que ça n'a vive là et son bagage c'est des histoires qui répétitives d'année en année. Ou gain l'impression que histoire pays a histoire crise politique yo pas changé, acteurs non plus pas changé, c'est presque les mêmes acteurs avec quelques petits changements, mais c'est presque toujours même mounio, le même visage. Donc gain une explication structurelle qui fait et nous pas capable sortir dans genre de crise ça yo, dans genre de schéma ça yo. Donc à cela nous gain privilège pour nous recevoir le moine Bono qui passait de présentation, c'est un journaliste de près de 30 ans de carrière, c'est ancien secrétaire de rédaction Nouvelliste, c'est analyste politique, c'est éditorialiste, c'est un monde que PIA et diaspora reconnaissent que les gens ont franc parler, parfois Bono la parole sans langue de bois. Et en pile moun remè ça parce que pays a au-delà de crise politique, de crise économique, de misère, de chômage, pays a les chita sur toute une cathédrale d'imposture, de mensonges permanents et d'hypocrisie. Donc le moine Bono incarné en sorte de figure exemplaire dans presse haïtienne qui tout gagne une parole libre, une parole essentielle que tout le monde toujours envie tendez. Le moine Bono, nous avons plaisir pour nous recevoir. Bonsoir, bienvenue dans Boucanter la parole. Merci Israël, ça fait environ trois fois depuis que m'intervenu sur Mégane dans Boucanter la parole et ça fait plaisir que moi répondre question nous sur situation politique qu'a traversé pays depuis quelque temps. De mémoire de journaliste, lorsqu'on va regarder ce qu'on va vivre là, avec des groupes de gangs pilotés par des politiciens et des businessmen voyous, bloquer un PM à l'étranger, il faut appeler la terre. Avec un pays depuis deux semaines, pas de premier ministre, pas de CSPN, pas de ministre de justice, ou bien impression un pays qui a foulé des dangers extrêmes. Qu'a foulé de mauvais vent. De mémoire de journaliste, monsieur Bono, est-ce qu'on vit ça ou déjà dans le pays? Qui histoire, qui moment dans l'histoire pays, dans l'histoire contemporaine pays, qui semblait à que ça n'a vu aujourd'hui, en 2024? Merci, Juno. Et de mémoire, et non seulement de mémoire, de ça que me vive, c'est pour la première fois nous vivre en crise. Jean ça n'a vu qu'on y a là. Jamais. Haïti pas jamais arrivé dans le niveau ça. Et que ce soit dans le livre que je lis. Et dans l'histoire contemporaine, nous, c'est pour la première fois que nous traversons une situation aussi catastrophique. Jamais nous voyons traverser une situation pareille. Ok. Monsieur Bono, qui ça, selon même qui mène nous là? Parce que tout le monde est capable de comprendre que le pays, après la mort, après l'assassinat du président Moïse, est tombé dans des crises compliquées. Mais nous avons vu une transition avec PM Henry. Et PM Henry qui piteusement échoué. Qui ça qui fait arriver là, selon vous-même? Bon, nous arrivons côté nous là. Et par rapport ensuite. De mauvaise gouvernance. C'est-à-dire, chaque gouvernement qui passe, il n'y a pas de préparé, il n'y a pas de monde qui prépare quand ça marche. Et puis, gestion en calamiteuse, et même des chiffres de mauvaise gouvernance, ça n'a pas de temps. Allô? Crise politique en Haïti. Pour ne pas analyser la politique en Haïti pendant ces 50 dernières années, sans ou pas prendre en compte un acteur géant qui est l'international et particulièrement qui est les États-Unis d'Amérique. Ça veut dire que ça que mettez-nous là
contre crise ça là, c'est la mauvaise gouvernance. D'abord, depuis tête calée entrée au pouvoir, Matéli monté en 2011, Matéli pas jamais fait élection. Il t'a supposé faire élection depuis en 2012 pour tirer le Sénat, il va faire. Maintenant, t'as supposé venir faire élection encore en 2014 pour que le Parlement rentre en fonction en 2015. Il n'a pas fait élection ça. Comprenez? Eh bien, lorsque un gouvernement où il veut au pouvoir, un président là, ou un premier ministre, et pour rater toute échéance électorale, eh bien, immédiatement, on commence à péter qu'il y a une crise, on va nous compte. Parce que ça qui fait un pays marcher bien, un pays a un bon gouvernement, pays a des institutions, faut que institutions yo capable répondre à l'appel. Avec constitution, faut que institutions yo. Vous m'avez mettre sous pied. Par exemple, Matéli l'a monté, il est monté immédiatement après un amendement constitutionnel. Ok? Et l'amendement a des problèmes, il est publié. Eh bien, faut nous t'es venu. Non seulement faut faire élection de manière régulière, mettre collectivité au sous-pied, mettre parlement sous-pied, et puis permettre que fonctionnement régulier de l'État. Et c'est moi le président. Mais malheureusement, Matéli fait élection seulement en 2015, qui finit, j'en crois qu'elle définit, hein? Élection dans contestation, dans problème, élection présidentielle refaite. Maintenant, Jovenel vient de monter, élection a faite en 2016, le prix vert monté comme président, il montre nous qu'en un an, il a fait élection. Il avait vraiment monté en février et 2016, et en octobre, même année, hein, il fait élection pour le Sénat et pour la présidence. Eh bien, président Jovenel Moïse monté en 7 février, et Tia Sénat est élu en 2016, et bien, le Sénat est rentré en fonction en janvier 2017. Ça veut dire que c'est ça. L'on monté comme président pour respecter la Constitution, pour respecter l'échéance constitutionnelle, ça permet que l'institution, l'État fonctionne mieux. Et c'est ça que Jovenel vient pas faire. Il est rentré au pouvoir en 2017, il n'a jamais fait élection. Chambre députée à mandat fini. Deuxième lundi de janvier 2020, bien avant 2020, depuis en 2019, faut renouveler la Chambre des députés, faut renouveler les deux tiers du Sénat, il n'a pas fait ça. Et c'est ça qui conduit nous, pour l'Ionica Sassilem, et puis Péliarine Monville, à le Parlement, pouvoir exécutif réduit, pas même le Premier ministre qui était en fonction, et le Premier ministre par intérim. Et le Premier ministre que le président a choisi, il va même être installé, cour de cassation bancale, c'est-à-dire, il a assassiné, mais pendant qu'il a mis le pays à genoux en matière institutionnelle. Voilà, ça conduit nous dans toute crise, ça, qui fait aujourd'hui, c'est l'international, c'est les États-Unis qui est obligé à dire Premier ministre à rentrer en fonction, par un tweet. Que le corps au groupe fait, et je viens, nos situations tellement graves, et que c'est CARICOM avec États-Unis qui a monitoré et en conseil présidentiel, et puis qui va proposer nous tous, il y a un premier ministre. Voilà, mais ça que mettez-nous dans ça, c'est parce que le gouvernement de Conteo ne pas respecter l'échéance constitutionnelle, ne pas mettre en place. Le conseil électoral permanent prévu par la Constitution, eh bien, mais tout ratement ça, mais on vient conduire nous, pays au bord. Selon même, qui ça que Ariel Henry pas fait, qui était capable d'éviter de tomber aujourd'hui dans une nouvelle dimension, ça que crise politique et sécuritaire là après un dans le pays? Juno, des bons gouvernements provisoires montés ou gagnés deux bagailles pour faire. Créer la condition de stabilité nécessaire, organiser les élections. Nous fait monter le 7 février 86, il fait élection en 87, élection a fini dans le sang, il fait élection en janvier 88, on est monté le 7 février 88.
Patatou yo entré au pouvoir le 9 mars 1990, il est entré après la démission de Prosper Avril, eh bien, en décembre 90, il a organisé l'élection et pour la présidence, et pour le Parlement, et pour la collectivité. Et 7 février 91, elle a allé. Boniface Alexandre monté en 2004. 2006, tu as organisé l'élection. 2006, tu as organisé l'élection. Et le 14 mai, l'allée. Jocelyne Privert monté le 7 février 2016. Il a organisé l'élection. La parole. Le 7 février 2017, l'allée. Ariel Henry monté en juillet 2021. Mais jusqu'à présent, nous en 2024, l'Ibagam mettait sous pied même au conseil électoral, voire pour ta créer conditions pour faire élection. Alors, non seulement les moines Bonneau, non seulement il va mettre des conseils électoraux provisoires, mais les vignes, je vais nous entiter en place, au lieu de fidéliser, au lieu d'écraser. Exactement. Vous cantez la parole. Alors, souvent, nous sommes respectés là, il n'y a pas bon, il n'y a pas de problème, non? Ou est-ce que vous avez une contestation, CEP a été manqué et répondre à toute aspiration constitution, hein? Où vous voulez aller? Pas de problème. Maintenant, vous réunissez les institutions, et puis, ou mettez sous pied un nouveau CEP, et puis maintenant, on prend la disposition pour capable de sécurité pour faire l'élection. Mais pas fait, il y a même, on dit à son premier ministre qui a besoin de un mandat présidentiel. Il a besoin de faire 5 ans. Malheureusement pour lui, il n'a pas besoin de faire 5 ans. Alors, femme, dis-nous tout. Ça n'a pas là. C'est une conséquence de tout le monde qui passe au pouvoir. Comme vous comprenez, Michel Martelly monte comme président. D'abord, avant Michel Martelly, vous n'avez pas monté comme président. Pas gagné l'armée. Vous cantez la parole. Nous sommes en période de crise. Kidnapping. Vous venez résoudre la question de kidnapping. Il mettait deux commissions sous pied pour remembrer l'armée. Le fait que les États-Unis disent qu'ils ne veulent pas en faire l'armée. Il est campé sous lui. Michel Martelly monte, mettons pour commission sous pied. Pour remettre sous pied l'armée. Les États-Unis disent lui-même, il va en faire l'armée. Les États-Unis ont une priorité pâle. Mais l'armée, c'est une institution républicaine. L'armée, c'est la gardienne du pays. L'armée, c'est la protection non seulement des frontières, des ports, mais pour la défense du territoire, c'est l'armée. Eh bien, États-Unis qui parlent Haïti en paix, qui parlent Haïti de l'armée, parce que l'armée est la parole. Est contre contrôler. Maintenant, je ne connais pas pourquoi déterminer les modalités pour contrôler si on ouvre l'armée, comme il est à contrôler la police. Et puis, depuis lors, ils parlent les pays avec l'armée. Et c'est le Jovenel monté au Caraïbes, Jean Caraïbes. Et puis, la petite commission montée pour l'armée. États-Unis dit lui-même, il n'a pas fait la même, dit non, ou bien la même, car on va péter la même quand même. Jovenel créer conditions. Lui, mettez l'armée, si son armée, pas de coffin, camper sous deux pieds normalement, mais elle quitte l'armée à 1500 hommes. Pour qui ça, selon vous-même, et l'oncle Sam, par Jean Mouet, de bon oeil, et monter l'armée en Haïti? Parce que États-Unis parlent Haïti stable. Meilleure façon pour créer instabilité ou bon corps de police, pas de l'armée pour la défense du territoire, la police. Vous avez la parole? Environ, vous avez dit la police pour gagner 30 ans. Mais quand même, la police, et malgré qu'il y ait 30 ans, la gagne des fonctions pas dévolues à la police. Par exemple, la fonction mettait la police sous frontière. La police pas qu'à garantir la sécurité. Qui intérêt américain au gain dans instabilité pays? Demande mon nom. Qui la parole? Qui intérêt au gain dans instabilité chronique pays? Qui est pas suspendant pauvreté, misère, chômage de masse, grand goût, toutes sortes de calamités qu'on a l'impression pays a pas jamais capable de vivre sortir de yo. Pour continuer à dominer pays à net. Dominer le PIB dans toute dimension, il faut que le pays a toujours à genoux, il faut que le pays a toujours à terre, et puis là, ça continue de dominer le pays. Maintenant, si vous avez
L'armée, c'est synonyme de stabilité. Mais il y a un monde qui est capable de dire que les États-Unis, comme première puissance mondiale, même si il y a un monde qui croit que c'est un empire vieillissant, avec monde là qui a pris un virage multipolaire, avec les groupes là aussi, la Chine, Brésil, Inde, et des voix qui ont levé en Afrique, tout côté. Mais il est capable de dire que les États-Unis dominaient un pile l'autre côté. Mais même nous quand il a dominé dans un pile l'autre pays, M. Bono, où tout senti que il y a des velléités en dans notre pays, ça y est, il y a des volontés, il y a des dynamiques qui toujours bâillent des bagailles qui bénéficient pour le pays, ça y est, parfois à contre-courant de l'intérêt américain, ça qui fait ça impossible à nous en Haïti. Bon, alors, bien content, j'en dis, oui, c'est vrai, les États-Unis très fort, c'est une super puissance, ils dominent un pile pays dans le monde là, mais Haïti, pas jamais, Haïti. Alors, l'homme des États-Unis, on peut parler de gouvernement américain. Je ne sais pas au hasard, non, dans l'État, nous, là. Les États-Unis monitorent, ils planifient, oui. C'est chaque 10 ans, les États-Unis planifient la déstabilisation d'Haïti. Ils commencent depuis 1980. Alors, il doit commencer là avant, oui. Mais pas de commencer là avant, mais toujours à suivre Haïti. Les paroles de Franklin Delano Roosevelt, il n'est pas innocent. Lors du pays, ça a fait soulever constamment les vannes contre l'agent à souliers. Et mettre l'agent à souliers en situation où il rentre des chirelles, c'est la seule façon de dominer ce pays qui a pris son indépendance, qui a conquis son indépendance avec les armes et qui c'est un très mauvais exemple pour les 28 millions d'esclaves que les États-Unis ont gagné la Kaili. C'est bon hasard, non? Bon, professeur Bono, Gem qui a babdou ça c'est très bien on fait l'histoire pour auditoire boucantea. Mais même bon exemple concret par exemple un exemple concret de Amérique latine là que États-Unis était dominé pendant tout 20e siècle là et même s'il continue gain influence dans Amérique latine là, exception faite pour Cuba, pour Venezuela, pour Nicaragua et ou senti dans d'un pays yo malgré yo sous emprise, ma paye de pays Amérique latine yo, malgré emprise, malgré présence persistante de Américains yo, toujours gonti volonté pour yo sorti de prison ça. Bon, par exemple, Bukele qui a fait tout ça, l'a fait là, dans pays il, monsieur Bono. Li continue à pacher zam États-Unis. États-Unis, c'est plus gros fournisseur zam, bay l'armée, bay police pays Bukele ya, pour mettre la paix dans pays. Mais n'empêche que, par moment, lui défend intérêt pays, par moment, Washington fâché, mais lui-même, lui disons que, même, c'est là, m'pralé, c'est pays avant tout. Ça qui empêche ça, la caille, nous, ou bien, pression Haïti, de régime politique en régime politique, monsieur, on vient pire esclave, que ce soit Michel Martelly, que ce soit Jovenel Moïse, etc., on vient davantage esclave, par exemple, il y a qu'un effort qui fait pour dire, les États-Unis, ma bossa, mais il faut bâmer ça tout. Ça qui empêche ça. M'invite de ce aspect ça, M. Bono. Sans au fond, il y a un appel historique qui est très important. Radio Omega. C'est vrai que les États-Unis dominent un pile d'autres pays, mais ils ne sont pas réduits en un état réduit. Voilà. Mais, et d'accord avant, et que il y a d'autres pays tout, par exemple, quand vous Salvador, chez Zam, non, même si nous avons tout reproche contre Ariel Henry, avril 2022, Ariel Henry n'a pas chez Zam, non, mais Israël. C'est les États-Unis bloquent d'Israël va venir. En juin 2022, le virus a acheté des armes dans le Canada. Les États-Unis bloquent les baguettes du Canada venir. Ça veut dire qu'il y a une volonté chez les Américains pour non seulement dominer nous, mais créer conditions pour nous battre en paix. Ariel Henry, ce reproche qu'on a fait beaucoup plus, c'est parce que l'eau est bandit a presque empêché nous de la caillou. Yo couri des moun ka foufè, yo couri des moun pernier. Ariel Henry te connaît. Alors il la regarde même bien tout le monde. Il va jamais lever le petit doigt, non? Il va jamais dire, mes amis, moi ça va dire à faire nous. Mais pour lui, son bar est normal, ça va dire rien. Parce que les États-Unis disent qu'ils ne peuvent pas l'utiliser l'armée. L'armée de 1500 hommes. Un bataillon de 300 hommes suffit pour résoudre l'insécurité dans la capitale là. 300 hommes. Cependant, 300 hommes. Qui
États-Unis empêchent Haïti d'acheter équipement pour l'armée. Mais là, mais sous tes mettez l'armée quand même. Même si l'armée n'a pas tout équipement pour le gain. Mais armées ont gagné quand même. Tout est utilisé, même j'en ai mis à bas, ailleurs en sécurité. La mettez qu'à aider à bailleur, banque centrale, bandit en bail. Si pas de bon côté, j'en ai mis avec les unités spécialisées. Nous ne connaissons pas comment, qui s'est capable dans la banque centrale hier. Ça veut dire que l'armée qu'a aidé au renforcement de la sécurité. États-Unis pas vrai. C'est parce que le pays est en paix. Faut bien courage pour nous dire ça. États-Unis pas voulu payer en paix. Ils pas voulu utiliser l'armée. Ils pas voulu acheter des armes pour l'armée. Mais ils ont un discours à campé international. Dit, oui, c'est bandit, la sanction. Sous bluff États-Unis. C'est parce qu'ils pas voulu Haïti en paix. C'est ça que fait. Ils ont toujours à battre pour orienter les élections. Non, sans son candidat que le cas dominé. Là, le cas dominé, là, il dit pas fait tel bagage, il va faire. Là, le matériel, où est le matériel? Là, le fait écarté Ariel, qu'on y a. Mais qu'est-ce que Ariel, ce qu'on donne, qui est en prison? C'est parce que ouais, l'opinion publique tellement a manifesté contre Ariel, le bandit au cas de prison, et tout, et pas du États-Unis, on va y aller. Même là, le grand ambassade là, de temps en temps, vous voyez quelques experts venir, subtilement venir, ouais, comment la situation est, oui. Et les experts arrivent et dit, situation n'est pas bon. C'est-à-dire que l'Iran compte effectivement que Ariel n'est pas capable encore. C'est ça qui fait l'obligé de faire Ariel. Même quand Ariel a servi, parce que Ariel montre effectivement que pas ton monde. Malgré les bandits qui ont tué les gens, ils ont empêché les gens de la caillou pour le temps seulement mobiliser. Ça, tu as réduit. Capacité des bandits pour tuer les gens, pour kidnapper les gens, pour faire les gens tout mal qu'ils ont fait. Mais comme Ariel, c'est ton aide qui était uniquement au service des Américains, tout ça aux îles, ils disent amen. Ils ont dit pas utiliser Ariel, pas utiliser, je dis à lui prendre un propre piège. Pour avoir été un homme sans honneur, eh bien, Américain fait ça, le fait là. Je dis à la porte des poussières, mais quand pilote qui même Jacques Ariel dans le pays, oui. Capteur des États-Unis va au pouvoir. Et puis quand il est arrivé sous pouvoir, non, monsieur Bono, puis quand il est arrivé sous pouvoir, non, mon qui même avec Ariel en Rio. Juno, ça on a fait là, c'est le coup, continuer à faire. En pile monde, invité des hommes comme Michel Souka, en pile monde qui n'a pas les papiers, dit que c'est Américain qui est responsable ça. Yes. La population connaît des proches Américains qui ont préparé pour un candidat. Elle ne pouvait pas voter. Des choules américains, toujours observer l'américain. T'as mon temps André Michel, qui c'est choules américains, tout ça américain, t'as dit, fait l'appel. Si tu veux ça, il faut nous commencer à détecter. Et puis vous citer non. Parce que je dis à la, sous ta jeune choules américains, qui viennent pour voir là, même Jacques Ariel, la voix fait 5 ans pour. Même si Ariel se fait là, il a fait. Il va jamais accepter d'acheter des armes pour l'armée. Il va vraiment accepter. Parce que je dis à là, Israël va nous vendre nos âmes. Canada va vivre. Mais il y a un autre pays qui a pris contre nous à Haïti. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. La Chine populaire a bien content de Haïti. La Turquie a bien content. La Turquie a bien content. Mais si vous prenez qui vont être président, son deuxième Ariel Henry, qui s'est resté avec des Américains, eh bien, il va acheter des âmes. On va quitter la Turquie. L'a utilisé uniquement la police. Et puis, mon appui, de temps en temps, Blanc a dit et Gagnon font y stopper. Mais professeur Bono, professeur Bono, qui l'en a privé non niveau en un pays, n'a bien des acteurs politiques conséquents, patriotes, nationalistes, qui chita ak américain yo. Parce que la situation à Haïti a vu avec Américain, pas une situation qui est unique. En plus, il y a la parole, mais il y a toujours une sortie là-dedans. Qui l'a privé dans le niveau ça pour que nous chita avec Américain, les yeux dans les yeux. Je vais parler de l'élite politique pays. Pour nous dire, les États-Unis, écoutez, mais ça me capable de baou, mais ça nous voulait. Oui, je dis, vu côté Haïti placé,
nous pas capable sortir dans sphère d'influence comme gros pays comme plus gros pays sur la terre. Mais nous gros pays cap mouri, nous gros pays en 200 l'année qui pas suspendre produit les mêmes problèmes, les mêmes misères, les mêmes problèmes yo qui l'en a privé dans niveau ça pour que nous gagne des acteurs. Donc groupe d'acteurs qui chita avec yo quatre sous table qui dit américain ma bossa ou abam ça. Je dis à mon pays, il faut qu'Haïti marche, il faut qu'Haïti développe. Juno, il suffit que soit on continue à faire là. Nous continuons à faire toujours. Inviter des personnalités, des hommes comme Michel Souka, comme vous avez la parole. Inviter au milieu de l'émission, poser des problèmes à eux. Plus la population attendait ça, et bien je garantis, lors des prochaines élections, pendant un an, pendant deux ans, les Sahara. Population qui est tellement mûre, laisse la compte qui vous avez la parole pour marcher. Parce que bon salut de mon société, direct des candidats à la campagne, qui peuvent jamais prendre la parole pour parler des Américains, parce que je connais tant de Américains au pouvoir. Bien n'est pas le candidat là, qui peuvent jamais nommer nos Américains, même si Américains, on prend les hommes d'affaires. Ou je me donne, je dirais seulement pour la première fois, monsieur Moukoué Stati, qui dit que les Américains responsables, c'est qu'à passer là. Yeah. J'aime un homme d'affaires, non? Yeah, yeah. J'aime un homme d'affaires, pas j'aime parler mal contre Américain. Ou j'aime demander, même quand Bandi a casé banque, même quand Bandi a casé business homme d'affaires, ou j'aime demander, on dit que c'est pour le Premier ministre mobiliser l'armée, le fait que les Américains parlent ou utilisent l'armée, homme d'affaires pas parler de l'armée. Je veux dire, c'est le premier mec qui campait. Qui parle, qui dit les Américains responsables, ça n'a pas vu là, oui. Yeah. Monsieur, on parle aujourd'hui à monsieur Sati. C'est lui-même qui dit ça, oui. Qui sont pensé de quoi qui, selon même, qui a venu conseil présidentiel là? Bon, pourquoi on parle d'avenir conseil présidentiel là? Parce que le beau quand même installé. Mm-hmm. L'essentiel, comme c'est ça, nous constater. Vous gardez la parole. Le conseil présidentiel et qu'il y a plusieurs secteurs qui soumettent choix par eux. Je suis arrivé devant CARICOM, maintenant on attend que le conseil a monté. Conseil là, son conseil présidentiel, c'est-à-dire toute attribution, ce sont les attributions présidentielles. Mm-hmm. C'est ça, ça. Toute sa constitution prévoit en termes d'attribution du président, ces attributions seront déférées au conseil présidentiel. Mm-hmm. Et c'est ça. Maintenant, parle au Premier ministre, toute attribution prévoit comme. Pour le Premier ministre, la perspective, c'est-à-dire le Premier ministre a bien attribution par le Conseil présidentiel a bien les attributions du président de la République. Mais comme son conseil, il a décidé en conseil, et le premier ministre a gagné leur fait compter, c'est mettre sous pied un règlement intérieur qui vous guide dans l'action, qui vous dit que si le conseil a gagné tant le monde, eh bien, les décisions sont prises. La majorité. Alors, oui. Mais Luman Bono, l'audit conseil présidentiel là a bien attribution du président de la République. Mais oui. Jusqu'à présent, nous n'avons pas de document qui vient de nous. Et ceci, nous nous posons des questions à Juno Jean-Baptiste Napessé et fait exercice là pour nous connaître sa mission lui-même liée. Est-ce que c'est les six membres? Mais puisque je dis à Yodigon, il y a un observateur qui a besoin de votre face pour capable de partager lui. Nous tous connaissons la responsabilité, la mission présidentielle qui s'allie. Est-ce que c'est en collégialité, si mal dit, ou corrigez-moi, ou bien c'est chaque mounio qui a besoin de responsabilité présidentielle là? Non, sans dire en premier, c'est ça, c'est collégial. Il y a six membres, les décisions sont prises. Pas la majorité, mais le fait que c'est un conseil présidentiel, là, bien toutes les attributions du président, les attributions ça va venir pour conseil. Même quand il y aura un président, ce sera le président du conseil, mais non pas un président de la République. Mm-hmm. C'est là pour gagner ça. Le président sera le président du conseil, c'est-à-dire c'est lui qui a dirigé les bails. Lorsqu'on a arrêté pour signer, il signe au nom du conseil. Ce n'est pas plus comme conseiller au Cap-Sien. L'arrêté du président, l'arrêté présidentiel, et le président du conseil signe, le premier ministre signe et le centre des ministres signe. Mais ce n'est pas les six membres du conseil ou sept membres qui ont signé ou arrêté présidentiel. Vous comprenez?
C'est-à-dire, tout autre acte, eh bien, conseil là, c'est quand on va président délégation, président signé dans nos conseils là. C'est pour ça qu'on a un conseil présidentiel. C'est ça lié. Vous comprenez? Qui ça vous pensez de un acteur dans Guy Philippe? Bon, Guy Philippe, c'est. Vous avez la parole? Ancien, et il était fait l'histoire déjà. Le fait qu'elle devienne avec un armée, eh bien, qui contraigne. Vous avez la parole? Qui doit pouvoir pour aller en exil. Maintenant, malheureusement pour lui, il vit au village. Pour que Chandon devienne élu sénateur, il n'y a pas qu'à prêter serment. C'est-à-dire, de ne pas prêter serment pour pouvoir valider, eh bien, ou pas qu'à gagner tout ça privilège qu'un sénateur gagne, parce que ou qu'à être élu sénateur. Mais l'on finit élu, tout autant que pouvoir valider par les autres sénateurs, et pour prêter serment, eh bien, il n'y aura aucun évolument. Ou pas gagner droit à rien, ou pas gagner, pas gagner creuve nous comme sénateur. C'est ça le principe. Maintenant, où t'es sénateur, c'est vrai, sénateur élu. Maintenant, on dira, où retourner, malheureusement, il vient arrêter pour accusation de drogue et blanchiment, ou purger peine ou retourner en Haïti, ça reste là. Ou bien font mouvement, ou qu'à faire mouvement, mais ça va pas aller plus loin. Ou pas, et mon qui croit que le cas président, soit dit avec ça, pour ce bonheur. Pardon? Et mon qui croit, et mon qui croit que le cas président, soit dit à ça. Comment comprendre? C'est pas deux tierces personnes qui croient le cas président, le moine Bono. Il y a l'ancienne ambassadrice en Haïti qui croit que Guy Philippe doit faire partie des solutions qu'il a. Non, bien et ensuite, faire partie de solutions, c'est-à-dire aux 40 ans concertation avec nous, au cachetarel, au tandel, les capables d'où, mais gens pour nous sortir bien la donne. Oui. Mais faire partie là, ça ne va pas dire autant que faut jouer un rôle politique, non, ou bien un rôle administratif. Tout à fait. Robin, faire partie, c'est-à-dire ou qu'à aider, lorsque faire partie d'un bagage, ou qu'à aider résoudre un problème. Robin, mais c'est pas pour autant qu'on va jouer un rôle. Ni politique, ni administratif. Mais est-ce qu'on croit comme si le problème qu'il a, gagné de sous-table? Non, je ne sais pas. Il continue à tuer les gens, il continue à kidnapper les gens. Comment on peut négocier avec l'équipe bandit qui continue à tuer les gens, qui fait 325 000 personnes qui sont caillés au parti? Bon, dans tout le pays, gang de gang. Naturellement, si on décide de dire à matin, laissez-moi qu'à parler avec eux. Vous gardez la parole. J'ai eu le faire l'autre jour. Mais jusqu'à jeudi, après, on kidnappé Lucien Jules, un journaliste. Et donc, comment on prend le chita avec un petit monde qui continue à tuer les gens, qui continue à kidnapper les gens, qui continue à attaquer les banques. Hier, on a attaqué les banques centrales. Ça veut dire que, c'est pas vrai. Jean va avec eux, t'as dit oui, eux-mêmes sont vivants ensemble et que vous prenez pour gagner la paix. C'est pas vrai, c'est pas la paix. Si tu as bien la paix, tu as campé sur tout mouvement subversif que tu as commencé à faire, tu as fait encore. Vite là, tu as tué les gens, tu as battu les gens, tu as braché les gens, tu as pris les gens. Ils sont venus ensemble, non? C'est-à-dire, pour arrêter par les modèles là, pour te commencer par sauver toute action malhonnête, ça, après, vous montrer, hier, ça, vous fait remonter la boule. Ils ont tué les gens, ils ont arrêté, ils ont pris les gens, entre les gens, ils ont gros âmes. Ça veut dire que c'est tout vivre ensemble, non? C'est pour dire vite l'homme, vite l'homme, non, vivre ensemble. Ça veut dire que si on te voulait faire partie d'une solution, on t'a campé, on va faire aucune action malhonnête encore. Et puis qu'on y a, on a décidé de remettre ZAM, le SAA, nouveau conseil là, conseil présidentiel là, t'es qu'à garder qui moyen, comment, qui meilleure approche d'abord avec bandit. Vous avez la parole. Décidé de remettre ZAM. Et puis pour renoncer à la violence que tu as fait sur la population. C'est là ça où tu as fait partie de la solution. Mais vous avez la parole. Il y a des gens qui ont kidnappé les gens, qui ont tué les gens, qui ont attaqué les banques pour les écraser. Ce sont des voyous, ce sont des bandits. Alors, moi, j'entends André Lafontaine-Joseph qui fait partie de Montana. L'Ikwe et Foyo Chita Palaveos, ce n'est pas bandit. Qui doit imposer société ou bien le pouvoir qui peut l'établir
qui ça eux même yo doit faire, mais peut-être c'est eux même qui doit imposer et bandi ça doit faire. Et lui même aller plus loin pour dire zam bandi yo gagne yo l'état capable acheter en amel. Bon, ça a son proposition, acheter en amel, c'est rentrer dans le même programme pour bandi faire CNDDR là. C'est-à-dire ou créer un programme ou acheter zam dans la main yo, et puis effectivement parce que et sont pas qu'à affronter au directement pour résoudre la question de sécurité. Si il n'y a pas accepté au mettre ZAM, même si ça acheté ou acheté dans la main, je ne vais pas dire non moi-même. Je ne vais pas dire non contre une situation pareille. Parce que vous représentez une menace, vous représentez un danger et vous avez un gros ZAM dans la main. Si on a décidé effectivement une approche pareille, eh bien, ZAM, toutes ZAM qui ont gagné, ils ont accepté à vous mettre, eh bien, contre rémunération. Bah dis non, son proposition que Chica toujours le conseil présidentiel là, leur fait monter, il a analysé, et Chita avec lui, réfléchit sur lui, mettez des experts Chita, et puis pour eux, quelle est la meilleure approche pour les autres questions. C'est pas en forme amnesty? Allô? C'est pas en forme amnesty? Bon, il peut assembler en forme amnesty tout. Oui, parce que si vous finissez d'entrer, si vous finissez d'accepter acheter des armes dans la main, bon, faut qu'on y a ou continuer dans le processus. Son début de processus, maintenant, vous avez qu'il y a action qui vous pose encore pour rendre la situation beaucoup plus et pour résoudre la question totalement. Égal, moi, je ne pas ta contre action pareil, non? Si j'ai décidé, il y a pour mettre dans le cadre CNDDR, la Commission nationale de désarmement, démantèlement et réinsertion, eh bien, bon, si c'est pour ça qu'il y a une résoudre question plus facile, moi-même, je ne vais pas dire que le mauvais nom, c'est solution à chercher. Depuis une grande solution, une fois solution à permettre que le pays a retrouvé la paix, eh bien, vous croyez que faut que nous sauter sur l'occasion et puis nous résoudre question la paix. Merci, professeur Bounou. Nous sommes contents de parler avec vous. Merci en plein. Eh bien, monsieur, je vous remercie. Je vous remercie Radio pour tout. Et je suis toujours présent à n'importe quel instant. Nous mettons l'élève. Je vous remercie de nos points de vue par rapport à l'évolution de la situation dans le pays. Tout à fait. Il faut que nous. Bon appel pour nous faire pour Mounio. Parce que. Haïti, c'est le premier pays sur la terre. C'est le seul pays sur la terre qui gagne tout analphabète que nous gagnons. Plus de 90%. Et si on a un gros danger à devenir à destin pays, là où pays, par exemple, dans Cuba, tout le monde connaît. Connaît à minimum, non? C'est-à-dire, à l'école, il atteint un certain niveau éducatif qui est raisonnable. Faut tout faire appel à ça pour la République que Haïti n'est pas engagé dans aucun conflit religieux. Haïti n'est pas engagé dans aucun conflit ethnique. Haïti n'est pas engagé dans aucun conflit de territoire. Cela dit, trois conflits que mentionné là, qui sont conflits ethniques, conflits religieux, conflits de territoire, c'est eux-mêmes qui constituent sous-bassement de toute guerre, toute bataille qui gagne ensemble de pays. Dans l'Afrique subsaharienne, dans le Moyen-Orient, etc. Dans un pile pays sur la terre. Haïti n'a pas ni un ni l'autre dans trois saillots. Sauf qu'il y a un ensemble de groupes criminels qui, en 6 ans, là, fait ça ou fait tout dégât que vous faites dans le pays. Il n'y a pas poursuivre qu'un idéal, il n'y a pas poursuivre qu'une idéologie, parce que là, on parle de Boko Haram, de groupes. Terroristes islamiques et Moyen-Orient en Afrique, il y a des idéologies qui a poursuivre. Ils viennent poser la charia, ils viennent poser idées, façon que bagaille. En Haïti, c'est de la criminalité gratuite. C'est du terrorisme gratuit. Ni plus ni moins. Une question comme ça. Lorsque on va l'aborder, l'Wabdim Amnesty, l'Wabdim la paix, franchement m'en viori parce que faut que nous fassions des comptes. Combien de monde qui mourit, combien de monde qui violait, combien de monde qui kidnappait, combien de jeunes femmes qui boulaient tout vivant. Faut que nous fassions des comptes. Ça fait que sur Amnesty, moi-même, je ne peux pas attendre, je ne peux pas digérer, parce que je n'ai pas de conflit ethnique,
ni conflit religieux dans le pays, ni guerre de territoire. C'est des groupes de criminels qui campaient, qui bien sûr nourris par des politiciens et des hommes d'affaires voyous, qui choisissent de bloquer le pays depuis 5 à 6 ans. Nous avons fait un débat sur ça, nous avons ensemble des questions à poser, mais nous avons demandé qui responsabilité nous avons la cap diriger. Est-ce que vous êtes là, vous avez une mission, vous avez une responsabilité pour nous sauver le pays, nous ne pouvons pas quitter un grain dans yo et nous ne pouvons pas quitter ambassade dans n'importe quel pays lié pour nous poser des questions à parce que nous avons demandé qui est responsabilité. Parce que la société, ça, moi-même, qui me fait partie là-dedans, je ne vais pas quitter sous aucun prétexte. Qui mission te gagne? Ariel Henry, je dis à lui Washington. Je me dis Washington, je confirme depuis hier, il va arrêter. Je confirme depuis hier, il va arrêter. Il sort sous compte agent FBI, il y a 75 à 80% d'informations besoin dans le point de lit. Je dis assez, depuis matin, je connais ces agents secrets qui ont pu suivre Ariel Henry. Depuis matin, je connais ça. Ok? Je me suis dit, nous suivons pour garder la parole. Mais à chaque fois, nous avons une responsabilité. L'accord du 21 décembre, je ne vais pas donner sous aucun prétexte. Parce que je supporte Ariel jusqu'à ce qu'il crase Haïti. L'accord du 21 décembre, crase Haïti ensemble avec Ariel Henry. Nous avons pile bagaille pour nous poser, nous avons pile question pour nous poser à Ariel Henry. Il est mon ami, hein, pour la vie. Nous avons pile question pour nous poser. Nous crasons Haïti. Et Ariel Henry, c'est na ava, na folie pouvoir. Remet tout. Et nous vivons ça déjà avec Jean-Bertrand Aristide dans l'an 2000. Aristide, te gen gon ban bagaille de qui doit faire de Haïti. C'est quoi l'on fait émission, voilà, voilà. Qu'on bon bagay Aristide te capable faire des pays ya. Dans l'élection de millions, Aristide pas tomber s'il te choisi diviser pouvoir. Et partage pouvoir, n'a pas nous puis devant ma propre présidence là Gino Jean-Baptiste. Il pas décidé, il dit faut mon pouvoir uniforme. Et c'est ça qui va Ariel Henry là. Il est un type tonton tout rond, pensé sans expérience, on sélectionne si gain. Boule Haïti quand Jovenel Moïse Davin là et puis yo kembe pouvoir yo pas fan rien absolument rien yo content nous prend pouvoir pour 100 ans même j'aime te dire avant là de prendre la parole Jacques Guy Lafont arrivé non bal là avec bal monsieur Miguel même avec le général Gilles il dit Gilles nous prend pouvoir pour 50 ans tous les deux sous compipirite. OK yo sous compipirite. Parce que nous faisons pareil avec Haïti. Nous sommes obligés de faire pareil avec Haïti. Et ça nous suppose faire avec Haïti. Nous avons besoin de faire bani yo, nous avons besoin de faire par exister Gino Jean-Baptiste. Parce que nous ne pouvons pas faire ça. Vous dire encore. Et tout à fait, il faut que nous toujours réitérer l'appel ça à Valissien. Il y a des gens qui pour monter terrain. Et le moine Bono, nous sommes là. Mais sur le moine Bono, comme ministre Kilti, c'est un bon bagage. C'est un bon bagage. Le moine Bono. Ministre Communication. Michel Soukha. Et pourquoi essayer? C'est de très bon profil. Michel Soukar, c'est un très bon profil. Et moi-même, tout Ismaël Kamouté terrain. Ou d'accord ça? Comme Giza. Tu es encore jeune, 34 ans. On ne peut pas être devant. On va oublier une ministre pour aider le pays. Quand on peut aider le pays dans des journaux écrits et à travers des radios, médias. Et nous, ça a fait là-bas essayer. Là, tu as une station de radio. Au Gonaïve. On a une radio PAM dans le nord. Ça veut dire que je vais être dans le fond de la pays. Alors, comme si l'envin là, on a un pile bail, on a du café. On a une famille, oui. Mais soit 8h10 soit nous là. Mais soit 8h10 soit nous là, nous avons une famille. On a proposé.